Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ sur Instagram. Lors de live, je vous avais demandé est-ce que ça vous intéresserait. Vous m'aviez été. Pour ceux qui étaient là, vous aviez souhaité voir une FAQ. Je vous ai donc posé les questions sur Instagram. Et du coup, dans cette vidéo, je vais tâcher d'y répondre. Et ouais. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Si vous vous posez des questions sur ce petit look, les photos seront déjà disponibles sur Instagram. Le lien sera en barre d'infos. Si vous vous demandez quels produits j'utilisais, le lien sera en barre d'infos. Je ne peux pas me permettre de vous mettre les liens des produits genre sur YouTube parce que je le fais déjà sur Instagram. Ça me fait beaucoup trop de boulot, les gars. Ouais. On commence par une question de Lifestyle by Tracy qui me dit « Hello Gadis, comment fais-tu pour garder ton rythme de 3 vidéos par semaine ? T'es trop forte. » Déjà, merci, c'est gentil. Et c'est dur, mais je suis quelqu'un de très organisé. Je vais essayer de vous montrer. Attendez. Voilà. Sur mon Mac, pardonnez, l'écran de mon Mac, il est sale. Enfin, la protection d'écran de mon Mac. Mais bon, bref. J'utilise l'application calendrier de mes appareils Apple. Et en fait, je programme à l'avance toutes les vidéos que vous voyez. Je programme en fait, là c'est le mois d'octobre, donc vous voyez que j'ai les publications. Tout ce que, j'espère que vous voyez bien, parce que là, normalement sur mon Mac, j'ai le retour écran. Là, je ne vois pas ce que vous voyez, donc j'espère que vous le voyez bien. Là, vous voyez les jours où je mets vlog, si j'ai des vlogs qui vont sortir. Et sinon, là, ce sont des vidéos que je programme. Et depuis peu, je programme aussi mes jours de travail dessus. Comme ça, j'ai une vision d'ensemble et je sais, ok, je veux poster ce jour-là. Et bien, il faut que tel jour, je travaille du matin. Et bien, cet après-midi-là, il faudra que je fasse ça. Et je fonctionne aussi avec... je vais profiter pour vous montrer directement comme c'est sur mon Mac. Et que tout est sur mon Mac. Enfin, tout est synchronisé. Je vais vous montrer. J'ai aussi une liste de tâches que je me note. Tac. Voilà. Par jour et par date. Et je note tout ce que je souhaite faire. Et voilà. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc, c'est comme ça que j'arrive à me débrouiller et à arriver à jongler et tout. Si par exemple, je vois que je suis trop fatiguée, comme je vous ai dit dans mon vlog... qui est sorti lundi. Si je vois que je suis trop fatiguée, que par exemple, c'est pour ça par exemple que ma vidéo sur comment faire son dégradé ça traîne autant, simplement parce que c'est une vidéo que je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps et que j'avoue que j'appréhende déjà de le faire parce que bon, je suis personne, j'ai pas pris de cours et tout, j'ai appris sur YouTube, donc voilà. Mais c'est beaucoup de taf et souvent je me dis je vais faire ça ce week-end, mais au final c'est le week-end où j'ai prévu et je me rends compte que ce sera pas possible. Je réajuste et je programme à ce moment-là une vidéo plus simple, c'est-à-dire des produits terminés, favoris, buff et flop, ou all entier. Voilà, c'est le genre de vidéo qui va vite. Voilà, j'ai mis des guillemets parce que favoris, buff et flop, ça va vite simplement parce que je note tout. J'avais montré ça, mais en fait, c'est la pochette de ma tablette. Parce que ma tablette, elle est actuellement en charge. Mais sur ma tablette, comme c'est une Samsung, elle a un autre logiciel de notes. Enfin, un autre... Pas logiciel. Une autre application de notes. C'est d'une autre façon. Et en fait, comme avant, j'étais sur Samsung, j'avais déjà noté tout. Quand j'ai testé ce produit, par exemple... le Big Mood Mascara. Eh bien, j'ai testé, j'ai un avis. Tout de suite, je note. Dans mon application, sur ma tablette, et je sais si c'est un favori Buffy Flop, et du coup, attendez. Du coup, en fait, ce sont des questions, enfin, c'est déjà fait en fait, c'est déjà écrit, j'ai jusqu'à me make-upper, filmer, enfin, regrouper les produits sous mon bureau, pap, filmer, et j'ai fini. Voilà, c'est comme ça que je m'adapte, et j'essaie d'anticiper, tant que je peux, tant que c'est possible, j'essaie d'anticiper les vidéos. Ensuite, de Maureen LAGD. Ok. C'est ta marque préférée, ton type de vidéo à faire. Sinon, j'adore tes vidéos, ça me met de bonne humeur. Déjà, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir ce genre de commentaire. Ma marque préférée. Je sais pas si j'ai des marques préférées. En termes de produits teint, j'aime beaucoup ELF. J'aime beaucoup Makeup Revolution dans le drugstore. Voilà, après. Produits teint plus cher, j'ai pas testé. Ce n'est que maintenant que je me permets de mettre un peu plus d'argent dans mon make-up, c'était pas le cas avant, donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de marque. J'aime bien Colourpop aussi. En palette,
J'ai pas de marque préférée. Franchement, je n'ai pas. J'aime beaucoup plein de choses. En parlant, je dirais Be Perfect. Enfin, les collabs avec Stacy Marie. Précisément parce que je n'ai pas testé les autres. Mais non, je sais pas. Je vais pas dire que j'ai une marque préférée. Voilà. Putain, j'ai eu l'impression d'être fouillée. Et ton type de vidéo fave à faire. J'aime bien les crash tests. Ou faire crash test de make-up. J'aime bien faire ça. Genre, j'aime bien. J'aime bien, mais voilà, c'est tout. Ça et les all anti-all. J'ai kiffé ça. Parce que c'est le genre de contenu que j'aime bien. Et je me suis surprise à aimer les vlogs. Voilà. J'étais pas du tout une consommatrice de vlogs. Et j'ai commencé à regarder et tout. Et je me suis dit, je peux faire ça moi et tout. Voilà. Donc, voilà. Les vlogs, mais. Alors, les vlogs en all anti-all et les crash tests de nouveau team make-up. Voilà. Ce message, c'est de mon copain. Est-ce que ton copain, c'est le meilleur? Bien sûr. Si vous avez la référence, vous êtes des boss. Ensuite, de Val, j'ai est-ce que tu aimerais maquiller des gens? Alors là, pas du tout. Mais genre, pas du tout. Ce n'est pas... Non. Liline, qui m'a aussi demandé ma marque de make-up, enfin ma marque préférée, j'ai déjà répondu, je ne sais pas. Toujours de Liline, j'ai ton repas préféré. Riz, haricots rouges, lambi. La vie. Avec un morceau d'avocat là. Aïe, 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 les gars. J'ai mangé. Et je dirais que c'est ça. Ça ou un truc à base de fruits de mer. J'aime beaucoup les fruits de mer. Peu importe. J'aime beaucoup les fruits de mer. Ouais. Mais ce serait du lambi. Avec des haricots rouges. Ou du cochon roussi. On passe à une autre question. Alors, ma destination de rêve. Ma destination de rêve. Alors, figure-toi que je n'ai jamais pensé à une destination en particulier. Il y a bien entendu plein d'endroits où j'aimerais aller. Voilà. Mais est-ce que ça me fait... Alors, je dirais aller aux États-Unis. Genre, ça a toujours été mon goal d'aller aux États-Unis. Découvrir la culture, mais aussi aller dans un truc plus calme, genre je voudrais bien aller en Grèce. Non, j'ai juste attendez, je voudrais bien aller en Grèce aussi, ou à Malte. Oh. Mais ma destination de rêve, je sais pas, comme ça là je dirais les États-Unis. Ça va pas être folichon, mais il y a d'autres encore, hein. C'est pas le goal ultime, mais c'est l'un des trucs où, en fait, aussi longtemps que je me souvienne, les États-Unis, j'ai toujours eu envie d'aller. Voilà, on va prendre comme ça. Mais je ne dirais qu'il y a. Attendez, je dirais qu'il y a quand même d'autres endroits où j'aimerais aller. Voilà. Ensuite, ma voiture de rêve. Je vous attendais pas à voir que je vous sorte des Lamborghini et tout. Enfin, non, allez. On va prendre différents levels. Là, à l'heure actuelle, la voiture que je veux acheter, je veux un Volkswagen T-Roc. C'est ma voiture de rêve. C'est cette voiture-là que je veux. Blanc, avec trois ouvrants. Blanc et noir, trois ouvrants et tout. Boîte automatique. Ça, c'est. Je travaille pour ça, les gars. Je travaille pour cette voiture. Mais au-delà... je dirais une Porsche. Genre, ça me ferait kiffer d'avoir une Porsche. Une Porsche, une vraie Porsche, une vraie belle Porsche, voilà. Donc, on dirait ça. Projet de mariage et ou de bébé en vue. Projet de mariage, il faut demander à un monsieur. Je vais lui envoyer cette partie de vidéo comme ça, voilà. Je lui dirai, mes abonnés attendent le mariage. Je rigole. Mais bébé, oui, on a un projet d'avoir des enfants. Pas tout de suite, genre... Je vis chez mes parents, il vit chez ses parents. Et j'aimerais sortir de chez mes parents et ensuite on va voir les enfants, d'accord? Si. Chacun s'en sort, en fait. Moi, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aurais préféré sortir de chez mes parents et ensuite voir les enfants avec mon chéri. Mais oui, on en a déjà discuté. Ma pire honte. Ma pire honte. Oh, à l'école primaire. Je me souviendrai toujours de ça. C'était à l'époque.
On avait des uniformes. En haut, c'était t-shirt jaune et en bas, pantalon. J'avais un pantalon, pas de def. Pantalon favori qui avait, je sais pas si c'est des cerises ou même un dessin rouge. On était en fin de récréation. C'était la fin de récréation. J'étais aux toilettes. Et genre, moi, j'aime pas être arrivée en retard. Et ça, depuis petite. Et genre, j'ai fait vite pour arriver et tout. Les gars, je me suis rétamée sur le goudron. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que j'avais eu mal. J'ai eu mal. Mais mal. J'avais dit un trou là, mes deux genoux étaient en sang. Mais j'avais honte. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rien dit à personne. J'ai souffert, les gars. C'était en, je crois que c'était la récréation de l'après-midi. J'ai souffert. Jusqu'à ce que je rentre chez moi. J'ai pleuré. Sans que personne ne soit au courant. Je me souviens qu'on avait une copie. Vous savez, les feuilles blanches, on devait écrire. J'ai pris, j'avais du papier. J'ai pris du papier. Je tiens du papier comme ça. Comme je suis droitière, je tiens du papier comme ça pour ne pas saigner sur la feuille. Pour que personne ne soit au courant. C'est ça, Lovelle. Sachez qu'une chose, j'étais hyper timide. J'en discutais en plus ce week-end avec mon chéri. J'étais hyper timide. Moi maintenant. Mais avant. Putain, vous me faisiez. Le moindre truc que vous me disiez, j'avais. Oh. Et voilà, je pense que c'était ma pire honte. Et il y a des gens qui m'ont vu. Il y a des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont vu, mais il y a des gens qui m'ont vu. Et on m'a demandé, ça va? Et je fais oui, 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 ça va. Mais je souffrais. Voilà. Parle-nous de tes passions autre que le make-up. Alors, en passion, j'aime les animaux. J'aime les animaux, j'aime énormément les animaux. Chez moi, c'est mon chéri me dit à chaque fois, chez toi, c'est une ferme. J'ai un chien, 6 chats. 8 moutons, une quinzaine ou une vingtaine de poules. Il fut un temps, on a eu des canards, ça pue, donc on a très vite balancé, ça pue. Des coques, on a 6 poules, mais on a majoritairement des coques. Mon papa en a acheté de nouveau, mais voilà, j'aime beaucoup les animaux. Chez moi, on aime beaucoup les animaux. Autre passion. Les sacs à main. C'est vrai que ça vous dirait que je vous en parle un petit peu plus. Déjà, j'essaie d'incorporer un petit peu plus de mode dans mon contenu. Mais les sacs à main, ça vous dirait d'en parler. Là, si ça vous intéresse, je l'ai acheté pendant les soldes. J'ai oublié de vous le montrer dans le vlog que vous avez vu lundi. J'ai acheté ce magnifique sac chez Parfois en Martinique à moins 30%. À 32 euros au lieu de 40 ou 50 euros, je me souviens plus. Magnifique. Mais j'adore les sacs. J'adore les sacs. Vous voyez, au-dessus de mon armoire, j'ai énormément de sacs. J'ai une passion pour les sacs. Et voilà, quelle autre passion j'ai dans la vie. J'aime bien les séries. Je suis une vraie série addict. Mais j'ai moins le temps de regarder, donc je vais pas mettre les séries dedans. Voilà. Ensuite, penses-tu partir ou vivre dans un autre pays? J'ai oublié de dire, c'est Dayatel, ma copine Dayatel, je vous en ai déjà parlé, qui me pose les questions, la précédente et celle-ci. Alors, pour tout vous dire, sans trop vous raconter, mais mon chéri a fait ses études pendant 3 ans dans un autre pays. Je ne citerai pas, parce qu'on ne sait jamais. Donc, bon, allez, je vais vous dire. Il a fait ses études au Canada, voilà. Et au début, genre, tout est beau et machin. C'était, moi, j'ai rentré en école d'infirmière. C'était prévu que, il m'avait dit, il aurait aimé qu'on vive là-bas et tout, tout, tout. Mais les gars, les choses ont changé. À l'heure actuelle, moi, j'aime ma Martinique. Hein. Et vous pouvez me dire, vous pouvez cracher comme vous voulez sur ma Martinique, mais moi, j'aime ma Martinique. Les gens sont un petit peu cons, des fois, mais c'est pas grave. J'aime ma Martinique, j'aime mes Martiniquais, j'aime ma bouffe, j'aime ma mère, tout pour ma Martinique, les gars. Donc, non. Quelques temps, mais jamais bien longtemps. Voilà. De Nestlé. Nesty YTB. Je pense Nestlé YouTube. Salut, tu as quel âge? Tu travailles dans quoi? PS, j'aime beaucoup ton contenu. La bise. Merci, c'est gentil. Je pense que c'est. Elle me suit
Je sais pas si elle me suit sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai 24 ans. Voilà. Et je suis infirmière. Voilà. Depuis mars 2021. Voilà. Ensuite, Raosi. J'espère que je n'écorche pas ton pseudonyme. Si tu devais garder qu'une marque de make-up, ce serait laquelle? Oh, mais pourquoi vous me posez ce genre de questions? Oh, crotte de bic! J'ai pas mis d'highlighter! Je viens de m'en rendre compte. J'ai fait mes photos, j'ai fait mon look, mais j'ai pas mis d'highlighter. Eh mon dieu! Ben, ce serait Make-up Revolution. Parce que j'ai du Make-up Revolution dans quasi toutes les catégories de make-up. Donc voilà. Alors, ensuite, elle me pose toujours comme question tes inspirations make-up. Mes inspirations, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, déjà. Donc, il y a ça. Il fut un temps, je regardais Pinterest, mais de moins en moins. Je regarde beaucoup de posts Instagram et j'enregistre beaucoup les contenus des gens. Genre, j'ai un dossier dans mes enregistrements spécial inspiration où je vois les make-up. Soit je reproduis, soit je m'inspire et je combine et tout. Voilà. Et c'est ça mes inspirations. Quelles sont tes passions dans la vie? Donc, comme je vous ai déjà dit, le make-up. J'aime beaucoup lire. J'ai moins le temps, mais j'aime beaucoup lire. Surtout entre mon contenu sur YouTube et mon travail, j'ai vraiment pas le temps de lire. J'essaye de me dévoiler, de me dégager du temps, mais voilà, j'aime beaucoup lire. Et j'aime les sacs. Voilà. Et les animaux aussi. Ensuite, est-ce qu'il y a des pays où tu aimerais visiter ou revisiter? Oh oui, beaucoup de pays. Déjà, j'aimerais aller en Guadeloupe. Bon, on va commencer tranquille. Je n'ai jamais été en Guadeloupe, donc j'aurais aimé aller en Guadeloupe. Voilà. C'est dans nos projets avec mon chéri. J'espère peut-être pour mon anniversaire, en fonction des conditions sanitaires, j'aimerais aller en Guadeloupe. J'aimerais aller aux États-Unis, comme je vous ai dit, en Grèce, en Espagne. J'aimerais aller à Malte. J'aimerais aller au Maroc. J'aimerais aller faire plein de choses. Et pour rester dans les îles de la Caraïbe, faire toutes les îles parce que je n'ai jamais fait aucune île. Ouais, je sais. voilà. Marie-Elle qui m'a dit hey, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et comment as-tu sauté le pas? Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube en août 2020. Voilà. Ouais, fin août 2020, je crois. Et comment j'ai sauté le pas? J'ai acheté un iPhone 11. Alors, attendez. Pour vous expliquer. Je m'étais toujours dit, ça fait des années que je veux faire YouTube, mais j'avais peur. Déjà, j'avais peur du regard des autres, que les gens me disent « Oui, mais tu fais ça. » Comme je vous ai dit, actuellement, je m'en fous. Avant, j'étais plus timide, donc voilà. J'avais peur du regard des gens et je pense que sur les réseaux sociaux aussi, il faut avoir... Je vais pas dire qu'il faut pas avoir peur, mais il faut savoir que les gens ne vont pas forcément aimer. Ils ne vont pas forcément vous apprécier. Et voilà, du coup, c'était un pas à prendre et je m'étais dit, le jour où j'ai un truc, soit un téléphone, soit j'arrive à acheter une caméra qui filme bien, je me lance sur YouTube. Et voilà, j'ai acheté mon iPhone 11 et puis je me suis dit, ok, c'était le signe qu'il me fallait. J'ai cherché comment filmer avec, j'ai regardé plein de vidéos, consommé plein de contenu dessus. Et me voilà en train de filmer depuis l'année dernière, depuis août, ça fait plus de mois. Attendez, je vais répondre au téléphone. Oh, j'ai pas eu le temps de répondre au téléphone. Bref. Donc voilà. Et puis oui, j'ai dit ça fait un mois, mais en fait non, ça fait un an. Voilà. Toujours Marielle qui me dit, est-ce que ça te plairait un jour de vivre de ton contenu sur les réseaux sociaux? Oui, totalement. Totalement. Totalement, mais en même temps, j'aime mon travail en fait. J'aime être infirmière, Voilà, j'aime ce que je fais. Mais si je pouvais gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent avec mes réseaux sociaux, j'aurais été ravie. J'aurais clairement été ravie. Et c'est un projet, clairement. Je veux pas vous cacher. Si j'arrive et que. Si je continue à monter comme ça et que je me lance. Mais je vais pas cracher sur le fait de créer une entreprise et faire ça en fait. Mais est-ce que ce sera mon full-time job? Non, je sais pas, je pense pas. Parce que regardez avec les bugs sur les réseaux sociaux, Instagram, les Instagrammeuses, elles étaient comme ça.
J'ai pas envie d'être comme ça en fait. J'ai pas envie. Après, je respecte celles qui le font, mais j'ai pas envie de. Je veux. Moi, j'ai jamais été quelqu'un à me dire je veux faire qu'un seul truc. Et ma mère, c'est pour ça qu'elle me soutient dans ce que je fais, parce que je lui explique, maman, je suis infirmière, mais si je dois gagner de l'argent avec mes plateformes, je vais le faire. Mais je ne veux pas concentrer la globalité de mon argent, de mes finances, sur un seul truc. Oui. Marie, elle, qui me dit toujours, comment t'arrives à faire tout ça de trucs YouTube, Instagram et infirmière. J'ai déjà répondu. Mais c'est chaud. Après, ce qui est cool, c'est que comme j'ai ma page Instagram où je poste des make-up, donc comme je crée du contenu pour Instagram, ben ensuite, bam, par exemple, ce make-up, j'ai créé ça pour Instagram parce que j'avais prévu, bon, c'est un petit peu mal barré, mais j'avais prévu de faire 4 make-up pour October Rose chaque semaine, poster un, et ben j'ai fini de me make-uper et je me suis dit, je vais faire ma vidéo. Vous voyez, j'ai enchaîné. Et j'ai ma doudou d'amour. C'est la femme de mon cousin. Mais qui est comme ma deuxième maman. Cynthia qui m'a dit combien de temps prends-tu pour te maquiller? Franchement, ça dépend. Ça dépend. Je peux passer de 10 minutes à 2, 3, 4 heures. je vais essayer de vous mettre des photos. Alors attendez, je vais regarder sur mon Instagram un petit peu. Par exemple, ce look que j'ai fait pour la Carnaval 3, j'ai pris environ 1h30 pour le réaliser. Sachant que je filmais. Quand je filme, ça me prend toujours plus de temps. Et ouais, je vais dire que c'est ça. C'est, en fait, tout dépend si je filme ou pas. Quand je filme pas, je me mets devant ma série. Enfin, je mets YouTube ou une série. Je blende mon truc. Ça peut aller hyper vite. Quand je suis en train de filmer, il faut expliquer et tout. Machin, en fonction de si c'est, il faut expliquer ou pas. Si c'est par exemple une palette 3 looks, j'explique. Plus. J'espère que ça ne vous dérange pas d'ailleurs qu'il n'y a plus de voice-over. J'explique pas, donc je fais mon truc et vous regardez, machin. C'est tout. Mais je suis concentrée, je fais autre chose. Le plus souvent, j'écoute de la musique, soit je suis en train de regarder une série. C'est comme si je filme, mais c'est comme si mais j'étais toute seule, même si je filme. Putain, il faut que je sois plus. Qu'on me comprenne mieux. Mais par exemple, si je dois parler ou je fais un tuto, ben là, ça me prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faut que je vous explique, il faut que je vous montre et il faut que j'arrive à bien le faire parce que voilà. Il faut vous montrer des bonnes choses. Donc, ouais, non, ça dépend. Ça dépend. Mais ça peut aller de. Allez, je vais pas dire 10 minutes. 15 minutes à 3-4 heures. Ça m'est déjà arrivé de faire du make-up en 4 heures. Voilà, et en plus ça dépend aussi, si je fais un TikTok ou un Reel, ça me prend encore plus de temps, même si le make-up n'est pas compliqué, mais je refais les choses plusieurs fois pour être sûre d'avoir de bonnes transitions au bon moment, que les transitions aillent avec la chanson, voilà. Par exemple, le look, je vous mettrai le Reels à l'écran, sachez que ça m'a pris, j'ai dû commencer, il devait être 13-14 heures, j'ai fini, il devait être 17-18 heures, facile. Facile parce que chaque fois déjà je me fais arrêter parce qu'il y a mon chien, mes parents m'appellent, machin, etc. Mais aussi c'est que je voulais que ce que je fais aille avec la musique. Donc à chaque fois il faut que je sois sûre de la prise. Et à chaque fois je me suis arrêtée de maquiller pour commencer le montage pour être sûre que ça va au même endroit ou sinon ici pour savoir si je recommence ou voilà. Plein de soucis logistiques qui font que ça traîne sur la longueur. Voilà, c'est tout pour les questions. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez encore des questions ou que vous n'avez pas très bien compris, je me ferai un plaisir de vous expliquer ça en commentaire ou sur Instagram. Vous m'envoyez des DM. Je mange personne, je réponds à tout le monde. Et voilà, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, d'aller liker les photos de ce look. Le lien sera en barre d'infos. En attendant, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo.